Bonsoir, bonsoir et merci de votre présence ici au Théâtre des Nouveautés à Tarbes pour cette grande finale d'Épique d'Or 2016. 10 artistes sont présents, vous avez forcément un petit papier entre les mains, c'est votre bulletin de vote puisque vous choisirez également le prix du public. Et comme c'est marqué sur le petit papier, on va commencer par la musique et c'est Clio qui va nous rejoindre. On va accueillir au piano Étienne Champollion, à la guitare Hugo Berardi et ils vont nous chanter Amoureuse, ils arrivent de Paris. Voici Clio. Ça mérite pas toute cette colère. Amoureuse, mais tu comprends, c'est plus comme un médicament. Je tombe amoureuse. Je tombe amoureuse tous les mardis et malheureuse le mercredi. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens moi? Si j'ai plus de chagrin demain, je tombe amoureuse. J'ai la chair de poule efficace. Amoureuse pour vérifier que j'ai le cœur bien accroché. Amoureuse pour pas m'ennuyer quand je dois faire la route à pied. Amoureuse pour me justifier quand j'ai des larmes sur le nez. Amoureuse jusqu'à demain, le temps de finir mon refrain. Amoureuse juste au cas où j'ai un ou deux cils sur les joues. Amoureuse parce qu'avec toi j'en ai eu qu'une de première fois. C'était Hugo Berardi. Je
verras quelques portraits de toi pour quand tu n'es pas là, t'avoir un peu chez moi. J'en ai plein sur les doigts, de toi plein sur les doigts. J'ai passé des heures allongée, la courbe de ton nez, puis le pinceau à plonger dans ton grain de beauté. J'en ai plein sur les doigts, ta beauté plein sur les doigts. Les demandant la gouache, je cherche le brin de tes yeux. Les deux mains dans la gouache, je cherche le brin de tes cheveux. J'ai travaillé les mélanges, j'en ai vidé des pots pour approcher mon ange, la couleur de ta peau. J'en ai plein sur les doigts, ta peau plein sur les doigts. J'ai exploré les textures pour tes cheveux épais, essuyé des ratures sur tes lèvres, c'est vrai. J'en ai plein sur les doigts, tes lèvres plein sur les doigts. Les mains dans la gouache, je cherche le brin de tes yeux. Les deux mains dans la gouache, je cherche le brin de tes cheveux. J'ai dessiné, tu verras, quelques portraits de toi. Si jamais tu t'en vas, j'en ai partout chez moi. De ces portraits de toi, j'en ai partout chez moi. Oh, si tu peux regarder les belles d'à côté, oh, tu peux bien t'en aller, je n'ai qu'un doigt à lever pour te défigurer, pour te défigurer. Les mains dans la gouache, je vais te refaire le portrait. Les deux mains dans la gouache, tu n'as jamais été si laid. T'esquisser, te croquer, te chercher, te trouver, te rater, te rayer, te froisser, m'en débarrasser. Merci à Clio qui a eu la lourde tâche d'ouvrir cette finale. C'est toujours difficile d'ouvrir le bal devant en face un jury et deux professionnels qui est là dans la salle et qui devra décider qui aura le Pic d'Or 2016 et qui succédera à Émilie Marche, que nous aurons le plaisir tout à l'heure d'accueillir sur cette scène pendant les délibérations. Allez, on se retrouve donc en loge juste après le passage de Clio qui vient d'interpréter deux titres sur scène. C'était quoi les titres qu'on a entendus? C'était Amoureuse et Plein les doigts. Donc vous êtes venue avec Amoureuse que vous avez interprétée hier. Ouais, moi je me rappelle de cette chanson parce que j'ai bien aimé, elle reste pas mal dans la tête. Alors vous êtes venue avec vos musiciens, on peut peut-être vous présenter. Eh ben, je suis Hugo, je suis à la guitare. D'accord. Moi je suis Étienne, je suis au clavier. Très bien. Alors d'où venez-vous, Clio? Je viens de Paris, mais je suis de Besançon, départ. D'accord, et qu'est-ce qui vous a amené au Pic d'Or ce week-end? Comment vous avez connu ce festival en fait? Ben, quand on commence la chanson, on fait pas mal de tremplins parce que c'est un moyen de jouer un peu à plusieurs endroits où on n'aurait pas joué autrement. Et puis c'est aussi un moyen de découvrir un public, enfin que le public nous découvre. Donc on regarde un peu ce qui se fait comme tremplin et le Pic d'Or, ça fait partie de ces tremplins-là. Donc voilà. Alors là, vous êtes, pour l'instant, on peut dire que les choses se passent plutôt pas mal, hein, puisque vous êtes ici tous les trois ce soir. Qu'est-ce que vous espérez qu'un tremplin de ce style puisse vous apporter après pour la suite de votre parcours? Le Pic d'Or, c'est on en entend pas mal parler comme d'un tremplin. Enfin, les gens qui l'ont gagné, c'est des gens en tout cas que j'estime pour les derniers. Je connais pas tout le palmarès, mais. Donc c'est une reconnaissance quand même du public d'ici et des professionnels du jury. Donc c'est déjà de la reconnaissance avant tout, je pense. Vous êtes auteur, compositeur, interprète? Oui. C'est bien. Et vous êtes rencontrés comment tous les trois alors? Vous tournez régulièrement ensemble ou c'est une formation spécifique là pour le festival ou comment ça se passe? Je change un peu. C'est tout ce que vous avez dit. Alors,
Moi, je suis arrivé il y a un mois et demi dans le projet. J'avais un peu travaillé sur le disque, voilà. Donc maintenant, je travaille sur le concert. D'accord. Et vous ? Et moi, je suis aussi le producteur du disque, en fait. C'est-à-dire qu'on avait le guitariste de titulaire, on va dire, qui pouvait pas jouer là. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de chansons à jouer, j'ai ressorti la guitare. J'en fais aussi. Et donc, voilà. Mais donc, je connais Clio depuis longtemps parce que c'est un projet qui est de longtemps. Ça fait 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Et donc, voilà, on a sorti un album, on a fait des tremplins, donc je la connais depuis longtemps. On travaille ensemble depuis longtemps. Le titre de l'album, c'est un album éponyme, c'est Clio aussi ? D'accord. Et je crois que vous nous dites que vous écriviez les paroles, mais vous avez fait les dessins aussi, je crois, dans l'album. Oui, il n'y en a pas beaucoup en fait. J'ai écrit à la main les paroles parce qu'on voulait que ça ressemble un peu à mes cahiers dans lesquels j'écris mes chansons. Voilà. D'accord. C'est bien se vendre, non mais en fait j'en fais pas trop, voilà. Mais c'est aussi une autre manière c'est quelque chose que vous faites régulièrement, c'est une autre manière de s'exprimer que la chanson, parce que c'est original, je veux dire, d'illustrer aussi son album. De cette manière. Oui, mais en fait là ça sort pas tellement de mes cahiers, à part là, pour cette occasion de l'album, c'était rigolo d'illustrer, mais sinon, oui j'aime bien ça, mais c'est pas du tout, ça reste complètement pour moi. Alors pour les prochains mois à venir, il y a des événements particuliers, notamment au niveau de concert, voilà, je crois que le 18 juin vous êtes au festival de, c'est ta parole à Montreuil, c'est ça ? Il y a d'autres dates ? Eh ben, des événements clés. Des événements clés. Ouais, voilà. Le producteur à la rescousse. Alors, bah en fait, on était à un autre tremplin, Le Mans, Cité Chanson, en mars, et du coup, il y a eu un prix qui était une résidence au Québec. Donc, Clio va aller à Granby, au Québec, un festival de chansons, en août, et ensuite au festival Découvrir de Concèze, à côté de Tulle, voilà, où elle est programmée dans le festival. Ça, c'est pour le mois d'août. Après, il va y avoir d'autres dates plus parisiennes, septembre, octobre, novembre. Mais il y a le méga Phone Tour aussi, où elle va faire partie de la tournée novembre-décembre. D'accord. Sud-est, sud-ouest, je ne sais plus pas exactement. Ok, donc on peut aller voir sur le site, puisque vous avez un site également. Donc voilà, un programme quand même assez fourni pour les... Oui, on va donner le... RadioClio.com. C'est ça. Bon, mais bonne chance pour ce soir, et puis de toute façon, il y a des projets, je vois, pour les mois à venir, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et merci à tous les trois. Merci à vous.